الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتم في الشعبة 21 الصلوات الخمس وفضل المسجد إلى المساجد. Alors nous continuons dans le livre de Shu'ab al-Iman de l'imam al-Bayhaqi et au sujet de la 21e branche de la foi, les cinq prières ou la prière et le mérite d'aller marcher pour faire la prière. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. Alors, le Bayhaqi a rapporté, et Muslim, de Abi Huraira radiallahu anhu, que le prophète messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est lui qui a fait la purification dans sa maison, puis il a marché vers une maison parmi les maisons de Dieu, c'est-à-dire une mosquée, afin d'accomplir une prière obligatoire parmi les prières obligatoires. Ces pas qu'il a fait, l'une sera par laquelle Allah Ta'ala efface un péché, et par l'autre Allah Ta'ala l'élève en degré. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا أو راح إلى المسجد أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. أخرجاه في الصحيح. Alors, de Abi Huraira, que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que celui qui va au début de la journée, il va pour la mosquée, ou il va vers la fin de la journée, il va à la mosquée pour prier. Allah subhanahu wa ta'ala lui prépare une maison dans le paradis à chaque fois qu'il part au début de la journée ou en fin de la journée. Le hadith rapporté par Bukhari et Muslim aussi, de hadith de Yazid, fils de Haroun. وعن عبد الله أو عن جابر بن عبد الله قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد. البيهقي a rapporté que il y a une place qui s'est vidée autour de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, et Banu Salama, parmi les compagnons, parmi les musulmans, ont voulu s'approcher. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète messager a entendu que Banu Salama, il voulait quitter leur maison pour être proche, puisqu'il y avait une place maintenant qui est devenue vide. فقال لهم بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام a dit, ça m'a été dit que vous voulez vous approcher pour être à côté de la mosquée. قالوا نعم يا رسول الله أردنا ذلك. Ils ont dit oui, oh oui, messager de Dieu, on a voulu ça. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم أو إلزموا دياركم دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit oh Bani Salama, restez à vos places, restez dans vos maisons, les pas que vous faites sera écrit pour vous, alors restez là où vous êtes, parce que les pas que vous faites pour la mosquée sera écrit pour vous. يعني خير لكم أن تأتوا إلى المسجد من مكان أبعد من أن تكونوا بقربه فتكتب كل تلك الخطى. Tous ces pas que vous faites sera écrit en votre faveur, et le prophète les a conseillés de rester
à leur place. Rawahu Muslim an Muhammad ibn al-Muthanna. ويروي البيهقي عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة. البيهقي rapporte par une chaîne jusqu'à Yazid, fils de Abdullah, fils de Abi Burda, عن أبي بردة عن جده أبي موسى الأشعري. Alors de Yazid, fils de Abdullah ibn Abi Burda, de son père Abi Burda, de son père, de son grand-père Abu Musa al-Ash'ari. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها مشيا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم a dit la personne qui a le plus de récompense dans la prière c'est celui qui fait plus du pas pour arriver, c'est lui le plus loin qui fait plus de pas pour y arriver. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا ممن يصليها ثم ينام. Et il a dit, et celui qui attend la prière pour la faire avec l'imam en groupe, c'est il a plus de récompense de celui qui prie et qui dort. Tu vois que des fois la personne il fait le maghrib, puis après il dit voilà j'attends, il attend l'isha et il fait la prière de l'isha avec l'imam et puis après il retourne chez lui. Celui-là il a plus de récompense, beaucoup plus de celui qui voilà il n'a pas resté dans la mosquée mais plutôt il a retourné chez lui et sa maison elle est loin de la mosquée, alors il a prié et par la suite il dort. Alors, جار المسجد المطلوب إيش أن يصلي في المسجد لا يصلي في بيته ولما يكون بعيد فيأتي فهذا أجره أعظم. Celui qui est à côté de la mosquée ne prie que dans la mosquée. Surtout, on parle bien sûr les hommes, les femmes prient chez elles. Et si les femmes veulent venir à la mosquée, on ne les empêche pas. Le Nabi alayhi salat wa salam قال n'empêchez pas les femmes d'aller prier dans la mosquée. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Lakin idha kharajat, takhruj min ghayri zina min ghayri tayyib. Mais si la femme vient à la mosquée pour prier, elle sort sans s'embellissement, sans être parfumée. Elle vient que pour l'ibada et l'adoration. Alors, celui qui est loin et il fait un effort pour venir prier, il a plus de récompense. طبعاً الآن في بعض الناس قد يأتي يعني بالسيارة فالقدوم على الرجل الأفضل. Celui qui vient par la voiture, c'est bien. Il vient par le. Surtout si il dit si je prends pas la voiture, j'arrive pas à rejoindre. J'ai besoin de se lever une heure avant et une heure de retour. J'allais pas alors aller à mon travail. فإذا الإنسان يقول إذا أردت أن آتي مشيا أخذ مثلا كذا من الوقت ثم الرجوع أخذ من الوقت فإذا لن أستطيع أن أقوم بعملي بعد ذلك فإذا بعد ذلك يختار أن يحافظ على الجماعة وأن يقوم بعمله. بس tu vois il cherche après à comment organiser les choses d'une manière qu'il arrive à faire son travail parce qu'il a besoin de dépenser du halal pour sa famille et en même temps il fait la prière. Alors s'il est venu par la voiture, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème. Ma fi mushkil. Hiya كما جاء في الحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لأنه في الماضي كانت يخرج الإنسان لصلاة الصبح في العتم لا يكون ضوء إلا في الليلة المقمرة لما بيكون في قمر وإلا بيكون عتم. وفي العشاء أيضا عند الذهاب إليها والرجوع يكون عتم إلا في الليلة بعض الليالي المقمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بشر هؤلاء بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة لأنهم كانوا يخرجون مع الظلام والطرق في ذلك الوقت ليست طرق معبدة ورصيف وكذا لا إنما طرق ترابية وأحيانا لا تدري ماذا يخرج لك حفرة كذا عصا حجر شجر شوك أو غير ذلك. ف
فهؤلاء لهم نور عظيم، نور تام يوم القيامة. لكن في هذه الأيام ببلد مثل سويسرا، بمدينة مثل لوزان، وين بدك تلاقي ظلم؟ تقريبا هيك، يمكن إذا فت هيك بشي فرع صغير، وإلا كل الأضوية شغالة والطريق نظيف والرصيف نظيف، وورد على اليمين وورد على الشمال. فعلى كل ذاك في الحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والإنسان ما يعني، أنت بعض الأحيان قد تقول في مشقة، لا، الإنسان أولا قد يجد مشقة، بعد ذلك يجد لذة. ثابت البناني قال: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. بالزمان، هلأ الآن في من يمر مثلا قرب البيت فآتي معه بالسيارة، لكن في وقتنا الأوقات كنا نأتي مشيا، وأحيانا يكون في تلج 20 سنتيمتر 30 سنتيمتر، فتفرح يعني بهذا المشي اللي هو مفيد، وتفرح يعني شيء يفرح القلب. على كل، الله النبي عليه الصلاة والسلام أدي أنونس la bonne nouvelle pour ceux qui viennent en plein ténèbres dans la nuit pour prier par le fait d'avoir la lumière splendide le jour du jugement. Alors j'ai dit à l'époque, lorsque les gens sortaient pour le Isha et le Subh, c'était obscur, c'était sombre, c'était la nuit, sauf quelques nuits du mois lunaire, hein, comme tu dis 11, 12 ou 12, 13, 14, voilà, dans ces nuits il y a un peu de lumière, mais le reste il n'y a pas assez de lumière. Et les chemins et les routes à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, on mettait pas de lumière à droite, à gauche, et les chemins, c'est les chemins qui sont dressés par les pieds. C'est pas des choses qu'on a dressées, qu'on a mis de goudron, qu'on a mis le trottoir. Et alors, celui qui vient à la mosquée en plein nuit. Actuellement, oui, tu peux trouver ça dans certains pays en Afrique, dans certains pays pauvres. Voilà, tu sors dans la nuit, tu reviens dans la nuit, il n'y a pas de lumière à côté. Alors ces gens-là qui sortent malgré fait sombre et fait nuit, ils sortent pour faire la prière, ils auront la pleine lumière le jour du jugement. Alors quel bienfait! J'ai dit, certains disent, mais à pied, où tu vas aller, où tu vas marcher 20 minutes ou une demi-heure? J'ai dit, peut-être, des fois, tu trouves un mois, deux mois de difficultés, après tu trouves de plaisir. Yani, regardons ceux qui font le sport. Ils transpirent, mais d'après lui, ah, ça fait du bien, hein. Ceux qui font du sport, qu'ils portent les 40 kilos, les 50 kilos, qui tirent là. Et à un certain moment, ils se forcent. Ah, oh, ça fait bien ça. Pourquoi ça fait du bien? Mais ce n'est pas des choses difficiles. Il ne fait pas des choses, des fois, malgré lui, il se fatigue. Mais là, ça fait du bien. Mais lorsque toi, tu sors pour faire la prière, ah, oh, quand même, tu te lèves à 5h du matin, à 4h30, tu restes jusqu'à 11h le soir, 23h pour prier, tu ne dors pas. Et comme des fois, lorsque tu jeûnes, toute la journée, tu ne manges rien, même pas un gorgée d'eau, même un petit café. Non, comment ça se fait? Pour dire rien, ils seront étonnés. Mais moi, je suis plus étonné que ça, qu'à 2h du matin, il sort des fois le vieux ou la vieille avec un petit chien. Puis tu arrives à se lever à 2h du matin, 3h du matin pour faire... Le chien, il court, il faut faire pipi dehors. Oui, il se lève. Mais lui, ça fait du bien. Pourquoi ça fait du bien? Pour plaire au chien, c'est parce que ça, il faut entretenir le chien. Anno hayda بالنسبه لك ni hayda w kaza w bkhalli el kalb bkhallik tmshi w tetharrak w btahki ma'o btsawlef btqol le qissat hayatak. تقول له خانتني هديك الختيارة وكذا وانت ما خنتني، لانه الكلب ما بيخون بالغالب، عرفت كيف؟ فبيحكوا له بيشكوا له همومهم وبيبكوا له النسوان والرجال،
لأنه من ما بيخون لذلك يعني بيحبوه، لأنه الكلب فيه صفات منا قليلة. لو قلنا عند الشافعي نجس وما وكذا، بس رفيق بيساعد بالحراسة بالصيد بالأغنام كذا، بيزت حاله على الموت ليدافع عنك، وفي صفات مثل ما قلنا. ايه طيب عجيب انه انت بالكلب بيخليك تقوم على ساعة 2 بالليل وعشرة تحت الصفر بتلاقي طالع ومطلع الكلب معه. ليه مستغرب انه انا عم قوم عم صلي لرب العباد الذي خلقني، انت قمت مشان الكلب، انا قمت لرب العباد للصلاة. Pourquoi tu es étonné que je me lève pour faire la prière pour mon créateur qui m'a donné les yeux et les mains, toi tu te lèves pour un chien. والكلب ما اعطاك شيء الا انه ما بيخونك، يعني انه شو اعطاك الكلب؟ Qu'est-ce qu'il t'a donné? Sauf qu'il ne trahit pas son maître. Et بيقولوا واحد قتل، alors quelqu'un qui a été tué ou le chien était avec. ورجع الصائل الكلب وهداك المجرم هرب. Tu as vu? Alors quelqu'un a tué un autre et voilà, soit le chien il n'a pas pu faire quelque chose, n'a pas pu défendre ou il y avait quelque chose, le chien est revenu. حتى يوم بعد سنين مر هذا القاتل بالحي الموجود فيه الكلب. Des années après, des longues années après, le criminel qui a tué cet homme-là a passé dans le quartier, dans la route, il y a le chien, et le chien a sauté au-dessus, il a commencé à l'attaquer, ou kada. Pourquoi il a fait ça? De parmi tous les gens, ils ont pris vers, voilà, et il a reconnu que celui qui a tué le sahib al-kalb. Tu vois comment le kalb hafiza, man raihat man qatala sahibahu أو صورته، وبالتالي كان سبب أنه استطاعوا أن يقبضوا عليه. على كل هنيئا لمن يقوم لله عز وجل. في ناس بيقوم على الساعة 4 بيقول لك أنا بشتغل شغلي مرة بالليل مرة بالنهار. il y a des gens qui travaillent durant la nuit et c'est pas facile. Travailler dans la nuit au début tu dis oui mais à un certain moment tu en as marre. ceux qui travaillent dans la nuit ils savent. c'est pas facile. مثل هذا مثلا بيسافر على طول، c'est pas facile. au début tu dis je vais voyager je vais, mais après tu en as marre de prendre les avions, tu sois loin de ta famille, de tes enfants. et celui qui travaille dans la nuit, alors il se lève pour un salaire à la fin du mois. alors le musulman lorsqu'il se lève pour faire la prière de subh et pour faire la prière de l'isha, il fait ça pour adorer Allah Ta'ala le créateur et que tout bien nous aurions en nous et autour de nous c'est grâce à lui Azza wa Jal. إذن بعض الناس يقوم من الليل لعمله، بيقوم على الساعة 3 وعلى الساعة 2 وعلى الساعة 4. طبيب مثلا والقابلة التي تهتم بالمرأة التي تريد أن تبت، أحيانا بدت إذا المرأة عم تولد على 4 الصبح بدها تقوم، إذا عم تولد على الساعة 1 بالليل بدها تقوم، ولو نامت بتقوم من الفراش. ما هذا الاتفاق أنه أنت عم تهتمي. فليش قامت؟ أنه مقابل مال، مقابل مال. هي الطبيب أو كذا يقوم ليعمل عملية جراحية أو كذا مقابل مال. أما المسلم يقوم للصلاة ليس مقابل هذا شيء من عرض الدنيا، إنما طلب لمرضات الله عز وجل. الله أمرنا ونحن يجب علينا أن نطيعه. Le musulman il se lève pour faire la prière, c'est pas pour un bien quelconque, mais il le fait parce que Allah nous a ordonné et qu'on doit obéir à Dieu عز وجل. وقلنا لما الإنسان بيكون مخلص وصادق وخاشع تصير عنده الصلاة من أجمل الأوقات. سيدنا محمد لعلو مقامه في معرفة الله وفي الخضوع لله والإخلاص وكذا قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. à chaque fois que la personne est sincère, il a le recueillement et il est modeste, il trouve de plaisir dans la prière. et regardons le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et mon grand plaisir, ce qui me réjouit les yeux le plus dans ce bas monde, c'est lorsque je fais la prière ou pendant que je prie. Et parce que
Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait la prière avec recueillement, avec sincérité, khushu', voilà. Et par min ba'da zalik, kana yajidu ladhatan fi salat. Pendant que les gens dorment, Sayyidina Muhammad, il veillait la moitié de la nuit, le deux tiers de la nuit. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ثلثه وطائفة من الذين معك. قيام الليل أولا كان فريضة، ثم لما نسخ النبي محمد بقي يقوم الليل، وقيل بقي فرضا في حقه ونسخ عن أمته. Au début c'était le fait de prier dans la nuit, c'était obligatoire avant les cinq prières. هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس، كان المسلمون يجب عليهم أن يصلوا من الليل. ثم نسخ أما وقيل في حق النبي عليه الصلاة والسلام بقي فرضا et c'était resté pour le prophète comme obligation et le prophète il priait وكان يجد لذة في الصلاة il trouvait un plaisir dans la prière أي وكان يعني والإنسان لما يصلي وحده يطيل القراءة ويطيل التسبيح في الركوع ويطيل التسبيح في السجود. Alors lorsque la personne il fait la prière nafila, alors c'est là où ils font des longues lectures, il fait des longs tasbih dans le ruku et dans le sujoud. Et lorsqu'il fait la prière dans la mosquée comme imam, il fait comme la sunna. On prolonge la lecture dans le subh, mais voilà. كيف تقرأ مثلا سورة الحجرات سورة قاف سورة الرحمن يعني من المفصل تولي تبارك مثلا الواقعة تولي سي سورات دون لابريغ دو الصبح فالظهر أيضا يقرب وقتها تطيل القراءة دون الظهر أوسي تفي une lecture proche ou un peu moins de celle de subh. Wa fil 'isha aqal un peu moins encore dans la prière de l'isha, wa fil 'asr tatawassat wa fil maghrib taqra al qisar. Hakadha. يعني الامام اذا اما يخفف اذا اما الناس يخفف, c'est-à-dire l'imam s'il fait la prière, il fait pas long, mais ça veut pas dire qu'il lit dans le subh les courtes sourates et dans le zohr en sort. لأن النبي كان يقرأ هذه الصور. Il lisait dans le subh les sourates comme. Des fois, il récitait même سبح اسم ربك الأعلى, des fois dans le subh. Mais souvent, c'est les sourates qui sont, comme tu dis, deux, trois pages dans la prière de subh et un peu moins dans le zohr. فلا يعني فلا تقرأ مثلا بدك تصلي بالناس العشاء بدك تقرأ لهم سورة يوسف اقرأ ببيتك ها Si tu veux faire la prière imam et les gens ou l'Isha, le Nobuzor m'a biqra, m'a mis ma sautul hulu, fa biqra surat Yusuf, bad yubki kaman. Et en hada chachos, arifu, ijtama'atihi malazatu dunya salas, hubbul akli wa shurub, hubbul riyasa, hubbul mal, wa ta'alluq bin nisa. وجاي عم بدي يصلي بدي يقرا سوره سوسو ويوسف بالعشاء ويبكي روح ابكي ببيتك alors j'ai dit comme c'est quelqu'un foutine مفتون c'est et يعني les choses capitaux de plaisir de ce bas monde sont réunies en lui et lorsqu'il faisait la prière de l'isha il récitait sourate Yusuf et il pleurait encore. Je ne vais pas dire, je jure par Dieu que s'il était chez lui à la maison, il ne fait pas ça. Mais si jamais tu es sincère et véridique, faites ça chez toi, à la maison. النبي لما بلغه أن الصحابي الفلاني يطيل في العشاء قال يا رسول الله أنا لا أذهب لا أصلي في مسجد يعني في الحينة لما قال لأن فلان يطيل يقرأ سورة البقرة فغضب النبي غضبا شديدا قال إن منكم منفرون إن منكم منفرين إذا أما أحدكم فليخفف. Alors un compagnon il a dit au messager de Dieu moi je prie pas dans le masjid qui est dans notre quartier pourquoi
Tu as dit parce qu'un tel, lorsqu'il prie, il fait long, il lit Sourate al-Baqarah. Sayyidina Muhammad était en, il s'est fâché, il s'était en colère, parce que ça fait fuir certains. Et il a dit, celui qui prend l'imam, alors qu'il soit bref. Il y a un malade derrière toi, il y a une femme qui a l'enfant qui craint pour lui, il y a quelqu'un qui est âgé, qui n'arrive pas à tenir debout, mais tu aimes la prière, allez-y chez toi à la maison, éteins la lumière, fais le wudu, dis à ton épouse, tu ne m'attends pas parce que je vais prier jusqu'au subh. Elle est où? Mais ma hada bi lak wainak, salli bil bayt, salli ila subh, nusf al layl, thulusay al layl. بالبيت بدك تجيب له طنجره العنب وطنجره التيم طنجره التفاح عرفت علي وفنجان قهوه رايح فنجان بزورات وكاجو ولوز وجوز بياكل وبده يجي على المسجد يقرا سوره يوسف ويبكي لنا à la maison tu vas mettre quatre sortes de fruits avec les fruits secs cajou amandes salées tout ça toutes ces choses là devant la télé et puis chez nous il veut lire sourate Yusuf pourquoi ليش؟ هو ورد بعض قال ما أخلص عبد لله إلا أحب أن يكون في جب لا يعرف. Lorsque la personne est véridique et sincère, lorsqu'il a la sincérité, il souhaite d'être dans une tranchée, dans un trou dans la terre, en train de prier sans être vu par les gens de l'extérieur. Du fait qu'il est sincère, et il fait pour Dieu. Alors ça ne l'intéresse pas que les gens le connaissent. Certains, ils se cachent jusqu'à que certains pensent qu'il est fou, qu'il ne sait rien du tout, qu'il ne connaît rien. En réalité, c'est un grand saint. Mais il fait tout ça pour Dieu. Alors, quel intérêt de montrer ça aux gens? Ayyu ayyu shay'in tastafid bi an tutli' an-nas 'ala ma ta'mal min a'mal taqum al-layl tasum an-nahar tadhkur Allah tunfiq fi sabilillah tut'im al-masakin tughith al-malhufin tatalattaf bil-aytam hadha kulluhu lillah idhan la hajata lin-nas ay ya'rifu la hajata lin-nas yakfi علم الله بما تفعل الضروري فقط أن تكون النية خالصة لله وإذا أعطيت تعطي من حلال. Ce qui est très important d'être véridique et lorsque tu donnes du halal et tu n'as pas besoin, il n'y a pas un intérêt à montrer aux gens ce que tu fais. كون في غبراء الناس غير معروف معروفا عند أهل السماء غير معروف عند أهل الأرض. Que tu sois connu chez les habitants du ciel, les anges, et inconnu chez les habitants de la terre. وعن سعيد بن المسيب أو عن عثمان بن حكيم قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ما سمعت تأذينا في أهلي منذ 30 سنة. يعني 30 سنة الأذان وين عم يسمعه؟ ليس في بيته، يسمعه في المسجد. سعيد بن المسيب a dit j'ai pas entendu le adhan chez moi pendant 30 ans. C'est-à-dire pendant 30 ans, les 5 prières ont été accomplies dans la mosquée et qu'il n'a pas entendu cet appel pendant qu'il est dans la mosquée, mais pendant sa maison, mais plutôt lorsqu'il sort ou lorsqu'il est à la maison, à la mosquée, c'est là où il entend le adhan. وعن عمران أو حدثنا سلام حدثنا عمران أن سعيد بن المسيب لم تفته في جميع 40 سنة ولم ينظر في أقفيتهم ولم يبلغوه خارجين من المسجد. يعني c'est comme il dit, il est pendant 40 ans il était dans la mosquée. Pendant 40 ans il n'a pas raté la mosquée et il était toujours devant, pas derrière, pour dire il voit ceux qui sont devant. Il est devant, alors il ne voit pas les gens qui sont venus parce qu'ils sont venus après lui, alors lui il est en premier.
وقال ربيعة بن يزيد: ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. On parle de Rabi'a ibn Yazid, il a dit: le muezzin n'a jamais fait le adhan pour le dhuhr depuis 40 ans sans être dans la mosquée. C'était toujours dans la mosquée, sauf si je suis malade ou en voyage. أما نعيم بن حماد، نعيم بن حماد قال: جاء ضمام بن إسماعيل إلى المسجد. نعيم بن حماد معروف من الرواة الحديث. Il a dit: ضمام بن إسماعيل est venu à la mosquée un peu en retard. Il a trouvé que les gens ont prié. صلى الناس وقد فاتته الصلاة. Il a raté la prière. Il est venu, il a trouvé les gens sortaient et il a raté la prière. فجعل على نفسه ألا يخرج من المسجد حتى يلقى الله عز وجل، فجعله بيته حتى مات. Il a fait un pacte vis-à-vis de Dieu de ne pas sortir de la mosquée. Pour ne pas rater une prière, il a dit: je ne sors jamais de la mosquée. Alors il l'a considéré comme sa maison, c'est-à-dire il restait dans la mosquée, il dormait dans la mosquée. Sauf que lorsqu'on a besoin de sortir pour les choses nécessaires, jusqu'il est mort, il a un mat. وعن يقول حدثني عبد الباري بن إسحاق، يروي البيهقي بالسند عن عبد الباري بن إسحاق بن أخي ذنون عن عمه أبي الفيض ذنون المصري. Alors il rapporte par une chaîne du neveu de Zunnun, de Zunnun Misri, Abu al-Fayd, radiyallahu anhu, قال ثلاثة من علامات السنة: المس على الخفين، والمحافظة على صلوات الجمع أو الجمع، وحب السلف. Il a dit: trois choses sont des signes de la sunna, que celui-là il est avec les gens de la droiture. Le fait de essuyer sur le khuf, يعني المس على الخفين جاء بالحديث رواه أكثر من 70 صحابي. D'essuyer sur le khuf au lieu de laver les pieds des fois, c'est ce que le prophète a fait. Et il y a plus que 70 compagnons qui ont rapporté cela, qu'ils ont vu le prophète عليه الصلاة والسلام humecté sur le khuf. Et le fait de maintenir les prières en groupe et le fait d'aimer les gens du salaf. محافظة على الجماعات، المس على الخفين، وحب السلف، هذا دليل على أن هذا من أهل السنة، من علامات أنه من أهل السنة. وعن السري، من هو السري؟ شيخ الإمام الجنيد. سرين السقطي سيلو شيخ دو الإمام الجنيد رضي الله عنهما. قال: لولا الجمعة والجماعات لطينت علي البيت، يعني لا ما كنت لأخرج. السري سقط إلى دي. S'il y avait pas la prière de vendredi et la prière en groupe dans la mosquée, j'allais fermer la maison sur moi, c'est-à-dire je ne sors pas, je reste en train de faire. Mais dans notre religion, c'est tu dois sortir pour la prière de Jum'a et la prière en groupe, c'est une obligation d'ordre collectif. هلا بناء مسجد طبعا فيه أجر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. Celui qui construit une mosquée, Allah lui donne une maison dans le paradis. من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة. فإذا فليتنافس المسلمون فليتنافسوا على الإنفاق في بناء المساجد. تعرفوا هذيك في مسجد كأني أكلت، واحد كان فقير ما عنده كتير مال وعنده أرض. Il avait une terrain ou même il a acheté le terrain et il a voulu construire la mosquée et il n'avait pas assez d'argent. Alors au lieu de prendre deux repas, il prenait un seul et après il dit: je considère comme si j'ai mangé.
كأني أكلت لوجبة. Il économise un repas, il dit qu'Anni Akalt. Et il met ça pour la mosquée jusqu'il a construit la mosquée. Peut-être il n'a pas fait la toiture, mais il a fait des murs, il a fait beaucoup de choses. فهذا المسجد اليوم يسمى مسجد كأني أكلت. La mosquée, il a le nom كأني أكلت, comme si j'ai mangé. Je me considère comme j'ai mangé. Voilà. مع أنه لم يكن كثير المال malgré qu'il n'a pas assez de moyens. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لأداء الصلوات الخمس جماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعمر مساجد الله ابتغاء رضوانه. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخشوع في الصلاة وللإخلاص فيها. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.